Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art, chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN. Bonsoir à tous, ce soir on reçoit dans l'émission Écran Large la comédienne, la chanteuse à la voix suave, et il y a de quoi, j'ai nommé la magnifique, la toujours aussi belle, j'ai nommé Véronique Jeannot. Celle pour ma génération à moi de jeunes adolescents qui m'a fait rêver dans cette série française, j'ai nommé Pause Café, cette femme qui se battait pour de très belles causes. Mais il n'y a pas de hasard, j'ai toujours eu envie d'interviewer cette comédienne, car Véronique fait partie de mon ADN, puisqu'elle est née dans notre très belle région savoyarde, car je suis aussi de cette région. Elle a été comédienne, chanteuse, elle respire justement la beauté de cette région où il fait très bon vivre. Mais elle nous a impressionnés aussi par sa voix, car elle nous a chanté plein de belles chansons. Elle nous parlera et elle fait un carton au théâtre de sa dernière pièce de théâtre. Mais Véronique est là pour une cause bien précise, la journée du Tibet, et elle nous parlera de son engagement et sa conversion au bouddhisme. Vous allez entendre la BO de Pause Café, composée en 1980 par Jean Musy, Didier Vasseur, Gérard Presgurvic, interprétée par Véronique Jeannot. Bonsoir Véronique, je suis liquéfié, vous êtes là en chair et en os, la femme que j'ai aimée et que je respecte énormément à cause de ce je ne sais quoi, que les autres n'ont pas bien sûr, l'adolescent en pleine puberté qui regardait le jeune Fabre aussi, Paul et Virginie, mais surtout Pause Café, un grand merci à vous d'accepter cette interview sur RCN. Mais c'est un plaisir. Alors expliquez-nous votre enfance, comment ça se passe? Oh, mon enfance, alors mon enfance c'est une enfance que je souhaite à tous les enfants du monde. Parce que d'abord, naître dans une région comme Annecy, c'est un cadeau. Naître déjà de parents en plus merveilleux et qui vous désirent et qui vous aiment comme ont aimé mes parents, c'est un cadeau aussi que n'ont pas tous les enfants. Et donc tout était réuni pour déjà avoir une belle enfance. Et c'est vrai que j'ai pu être au contact de la nature, faire beaucoup de sport entre le lac, les montagnes. C'était mon enfance, quand j'y repense, c'est juste un rêve, quoi. Ouais. Un rêve. Ben, je peux en parler, je suis né à Aix-les-Bains, c'est la Savoie, mais bon, c'est un peu le même style. Moi, je suis de la Yaute, comme on dit. C'est ça. Vous êtes... Chez notre cher grand chef Marc Vera, que j'ai déjà interviewé. Ah, bah oui, Marc, t'as un copain, lui fait un coucou. Voilà, on fait des grosses bises. Alors, quelles sont vos formations professionnelles à la base? J'en ai pas. D'accord. J'en ai pas. En fait. Direct dans la comédie? Bah oui. D'accord. Bah oui, puisque, on va dire que je suis tombée dans la marmite, en fait. Parce que j'ai commencé à 15 ans. Avant même, moi, je voulais à l'époque être prof d'anglais, ce qui n'a absolument rien à voir. Et, ça m'est arrivé à 15 ans où j'étais choisie pour faire le jeune Fabre par, grâce à maman qui à l'époque m'a inscrite dans l'annuaire du cinéma. Et mon nom est resté dans la liste des jeunes de moins de 18 ans. Et quand, on va dire 3 ans après, ma photo n'était plus là, mais j'étais toujours dans cette liste. Et quand Cécile Aubry a cherché son héroïne pour le jeune Fabre, pour être donc la fiancée de Mehdi, elle a vu tous les jeunes des cours parisiens et elle ne trouvait pas son Isabelle. Parce qu'elle avait
une idée très très précise de son héroïne. Et il se trouve, voilà, c'est ça les rencontres, hein. C'est tellement dû à des circonstances qu'on ne mesure pas, qu'on ne... Bien sûr. Voilà, c'est on ça. Génère c'est pas, là, c'est, non, c'est, ça tombe... On va dire que c'est le coup de chance. Et là elle vous voit, et là, ça y est. Elle m'a vu et tout de suite, elle m'a dit, mais ça y est, j'ai trouvé mon Isabelle. Mais je n'avais aucune expérience, aucune formation. D'accord. Simplement, j'étais plutôt bien dans mes baskets. J'étais plutôt douée en récitation, en français. J'avais sans problème. Mmh. Et voilà, j'avais cette espèce de naturel, peut-être, que je devais peut-être à mon père, qui était... un représentant brillant, en fait, brillant représentant qui aurait, je crois, vendu du sable à un bédouin à l'époque. D'accord. Il était représentant en meubles avec un charme fou. Et mes parents, les deux, avaient une élocution toujours avec un langage très châtié, un vocabulaire. Donc, c'est ça hein, dont on hérite inconsciemment aussi dans une enfance, dans une éducation. Donc, voilà, tout ça a fait que bah, finalement, J'ai été l'Isabelle Cadrousse du jeune Fabre. Puis après, je suis rentrée à Annecy. D'accord. Après le tournage, et je comptais juste vivre ça, moi, comme une formidable expérience, mais sans plus. Et là, c'est Richard Vachou, qui est un metteur en scène de théâtre suisse, qui m'a appelé et qui m'a dit, on voudrait vous auditionner pour le rôle d'Agnès dans l'École des femmes. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. Moi, entre la caméra, mais où on laisse aller sa spontanéité, et un rôle de théâtre classique, en plus, sur scène, j'ai jamais pris de cours, je vais jamais pouvoir faire ça. Et je me souviens tellement de sa réponse. Il m'a dit, mais ça, c'est à nous d'en juger. Venez passer l'audition, et après, on verra. Ouais. Comme on était à Annecy, Genève, c'est vraiment à deux pas. On faisait souvent les allers-retours comme ça. À l'époque, mes parents allaient souvent faire leurs courses là-bas, chez les cigarettes en Suisse, les pleins. Enfin, c'était 42 kilomètres, c'est oui, rien. C'est rien, bien sûr. Donc, j'ai passé l'audition, et le soir même, j'ai reçu un coup de téléphone, et ils me disent, bah, écoutez, pour nous, vous êtes Agnès. Maintenant, c'est vous qui décidez. Évidemment, j'ai dit oui. Donc, j'étais à l'école la journée. Et le soir, je partais avec maman qui conduisait dans sa petite... qu'est-ce qu'elle avait ? Elle avait une R8, une petite R8 rouge à l'époque. Et j'allais jouer le soir. J'allais jouer le soir au Théâtre de la Comédie à Genève. J'avais l'âge du rouge, j'avais 16 ans. Hein. Donc pour nos novices qui n'ont pas fait de théâtre, vous conseillez de faire du théâtre quand même ? Ah, je conseille de faire du théâtre. Hein ? C'est vraiment... c'est la découverte de la scène et du public, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on fonctionne à l'audimat. Donc, le public, on ne sait pas ce que c'est. C'est un chiffre, en fait. Bien sûr. C'est un pourcentage. Mmh. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, au théâtre, vous le rencontrez. Mais je n'étais pas consciente de ça à l'époque. De la même façon que je n'étais pas consciente du tout de la responsabilité que c'était d'endosser un rôle, de le promouvoir comme ça sur scène. Et je suis arrivée le jour de la première, je chantais, moi. Et Michel Cassagne, qui jouait donc le rôle d'Arnold, me dit « Mais comment tu fais ?» Mais je lui dis « Pourquoi, comment je fais ?»« Mais comment tu fais pour chanter le jour de la première ?» Mais je lui dis « Mais parce que je suis heureuse !» Et c'était vrai. Je n'étais que sur la joie de jouer et de rencontrer voilà, mes camarades de jeu. Parce que j'adorais jouer le rôle d'Agnès. C'était une mise en scène très moderne. Et la mise en scène, vous avez travaillé un peu avant quand même, 3 mois avant, 5 mois avant? Ah, bah, un mois avant. Un mois avant, c'est tout. Quand on apprend le rôle, c'est tout. D'accord. Mais j'avais une grande mémoire des mots. J'emmagasinais les textes très 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 vite, beaucoup plus vite que maintenant. J'avais cette chance. De la même façon que j'étais douée pour les langues, c'est pareil. Hein. Ouais, ouais, c'est ouais. Une oreille et c'est un enregistrement des mots, des sons. Et justement, j'allais vous dire, vos scénarios, vous les appreniez mieux l'après-midi, le soir Franchement, il n'y avait pas de différence. Non. C'était n'importe quoi. Ça ne vous change pas. Ouais. Même en voiture, en avion, n'importe quoi. Trop. Oui, ça rentrait comme dans du beurre. D'accord. Maintenant, c'est un petit peu plus difficile. Est-ce que vous croyez justement que les scénarios sont peut-être moins bien écrits ? Non. Non. Non, je pense que c'est la mémoire est beaucoup plus vive quand on a 16 ans que quand on en a 50 et plus, quoi. C'est ce que me disait Marthe Villalonga il n'y a pas longtemps, la pauvre. Oui, forcément. Elle a 87 ans, donc... C'est ça, on rame plus, hein. Elle ne veut vraiment plus faire théâtre, elle a dit qu'elle était fatiguée. Mais je comprends. Moi, je me suis mise au russe.
Parce que ma fille apprend le russe. D'accord. Et je me suis dit, c'est une bonne façon, et de faire quelque chose qu'elle fait, donc de partager ça, et de faire travailler ma mémoire tout en apprenant une langue, ce qui était quand même mon dada pendant des années. D'accord. Et donc, j'ai joué à l'école des femmes, et ça a été un souvenir formidable. Et puis, je devais reprendre, déjà, je devais reprendre l'école des femmes pendant l'hiver, et là, on m'a proposé le rôle d'Ophélie dans Hamlet, et en même temps. Et là, il y a eu le choix, parce qu'on m'a proposé de faire Paul et Virginie. D'accord. Et ça a été le moment où ma carrière a basculé, en fait. D'accord. C'est où je restais sur Annecy, je continuais le théâtre le soir et tout, ou j'arrêtais mes études. Au lieu de rentrer en première, j'avais mon bulletin de première à 4. En plus, je suis passée de... Je crois que j'étais en AB2, qui était économie, où je n'avais rien à faire là-dedans. D'accord. Et alors que ma force était le français et les langues. Mm-hmm. Et j'avais réussi, parce que mes moyennes étaient... c'est pas difficile, la moyenne, c'était les langues, la gymnastique, tout ça, ça explosait tout. Donc, c'était évident que je n'étais pas à ma place en AB2. Donc, du coup, j'avais mon bulletin de rentrer en première à 4 et le contrat de Paul et Virginie. Alors... Et là, j'ai eu la chance d'avoir des parents formidables. Quand je disais ça tout à l'heure, parce que je revois encore mon père et ma mère au pied de mon lit, qui me disent, écoute, on sait que 16 ans, c'est quand même très jeune pour faire un choix qui va engager ta vie, mais sache que quoi que tu choisisses, on sera avec toi. Pas facile, parce que ce n'était pas des gens du métier du tout. Hein. Ah non. Maman, peut-être un peu plus, parce qu'elle était dans la pub, mais papa était représentant en meubles, donc très très loin de tout ça, et ils ont vraiment été formidables. Vous faites penser à Georges Clooney, qui m'a fait pleurer, parce qu'un jour, il était chez Michel Drucker, et on lui a dit, comment ça se fait que vous avez cette belle carrière ? Il a dit, c'est grâce à mes parents qui m'ont soutenu. Oui, mais bien sûr. Et vous avez un point commun, il est taureau, comme vous. Et il est taureau aussi. Voilà. Bon, il fait des bien jolies choses, en tout cas. Au moins, il met sa notoriété au service de belles causes. Ben, comme vous. On va y venir, d'ailleurs. Oui, mais c'est lui, il a la chance d'être plus porteur, parce que les acteurs américains, à son niveau, sont beaucoup plus écoutés qu'en France, donc c'est malheureusement beaucoup plus limité. Moi, je pense qu'il va se présenter un nouvel... C'est le prochain président. Ah ! Je le sens, moi. Ah oui ? Ouais. Ah ben, ce serait bien. Écoutez... C'est vrai ? Moi, il est en train de se placer sur des listes. Ah ouais ? Et justement, ce matin, on parlait à la télé que dans un an et demi, nous... Ils vont revoter les Américains. Et on s'est dit, tiens, déjà, ils vont voter, eux. Et je pense qu'il va se placer, ce monsieur. Il me semble. Nous verrons bien. Ben, ça sera intéressant à voir, parce que c'est sûr que c'est quelqu'un d'assez formidable. Hein. Ouais, moi, j'aime bien le personnage. Moi aussi, mais je ne le connais pas intimement. Mais il y en a deux que j'aime bien. C'est Clooney et Brad Pitt aussi, qui fait des jolies choses. Et ils sont tous les deux. Aussi, et ils sont deux bons copains. Ah oui, oui. Ben, vous avez bien de la chance d'avoir des copains comme ça. Non, pas moi. Ah bon ? Tous les deux. Tous les deux, ils sont très copains. Ah, je ne savais pas. Ah oui. Ah ben oui, mais ils ont tourné ensemble. Bien sûr. Bien sûr, plein de fois. Plein de fois. Déjà les Oceans, hein. Oceans 11, ouais. 12, c'est ça. Ah, et puis, les familles, quand les gens doivent se rencontrer, ils se rencontrent. Hein. À un moment, il y a la famille de sang et puis il y a la famille de vie. Et je pense qu'ils sont sur la même longueur d'onde, donc c'était logique qu'ils se rencontrent. Malgré que lui, il réalise, il s'appelle Clooney. Et c'est vrai que ses réalisations ne sont pas toujours... Pas beaucoup qui réalisent. Il y a Clint Eastwood qui, alors lui, est tout bon. Hein. C'est 20 sur 20. Voudriez-vous tourner avec lui ? Ah, j'adorerais. Ah, ouais. J'adorerais. En plus, vous parlez très bien anglais. Oui, j'ai cette chance. Enfin, cette chance, pas une chance, je l'ai travaillé beaucoup. Parce que je voulais être prof d'anglais, donc j'adore cette langue. D'accord. Donc j'ai continué à la travailler même quand j'ai arrêté mes études. D'accord. Alors, on rebondit, parce que vous m'avez dit que vous avez fait beaucoup de sport. Justement, quelles sont vos formations sportives ? Ah, alors, j'ai fait beaucoup de handball. Ah. J'ai fait beaucoup de handball et j'ai adoré ça. D'accord. Et c'est vrai que si je pouvais conseiller un sport à faire, c'est de toute façon un sport d'équipe. Parce que je trouve que c'est une formation aussi bien physique que... pas spirituel, c'est pas le mot, mais ni intellectuel, mais ça forme le mental, l'individu, ouais. D'une façon différente qu'un sport qu'on pratique seul, comme le tennis ou je sais pas qu'un autre sport. Souvent, la plupart des gens mettent leur enfant au tennis, au piano. Bon, ça c'est autre chose, c'est la musique, mais et je trouve qu'un sport d'équipe c'est extraordinaire parce que
Je pense vraiment qu'on fait les choses ensemble et qu'on les fait jamais seul. On n'est jamais meilleur que quand on est bien accompagné, bien soutenu, bien inspiré. Et ça vient de l'autre. On ne se connaît que en fonction des rencontres qu'on fait. Bien sûr. On vous met sur une île déserte, vous ne savez jamais qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. De survivre, mais de survivre dans quelles conditions? C'est l'autre qui vous met en miroir. C'est là que vous apprenez à vous connaître. Et c'est pour ça que je dis que tout dans la vie n'est fait que de rencontres. C'est une rencontre qui va vous orienter dans une direction plutôt qu'une autre. La vie n'est faite que de ça. Donc vous n'êtes pas fait pour les sports individuels? C'est bien un sport individuel, parce que ça vous met aussi un challenge formidable et c'est aussi une responsabilité. C'est que si vous vous plantez, vous vous plantez. Vous ne pouvez pas mettre la faute sur quelqu'un d'autre. C'est vous. Vous et vous seul. Vous ne vous êtes pas mis comme beaucoup au golf? Alors ça m'a jamais amusé le golf. J'ai essayé parce que j'ai essayé plein de trucs. Ça m'a jamais attiré. C'est marrant, hein. Mais j'aime pas marcher en fait. J'ai toujours préféré courir que marcher. J'allais vous le dire. C'est marrant, hein. La marche ça me fatigue, mais vraiment, j'ai des chutes de tension quand je marche. Alors que courir, quand j'ai fait le hand, cavale, en plus moi j'étais ailier, donc c'est ceux qui sont le plus offensifs. Droit à gauche. Après je suis gauchère. D'accord. Donc j'ai vous êtes gauchère. Droite. D'accord. Et après j'ai demandé à passer arrière parce que j'en avais marre de celle qui cavalait le plus. Mais j'adorais ça. Voilà. J'ai adoré. Quand on partait le samedi en car avec toute l'équipe, qu'on allait rencontrer l'équipe 1 mémorable, à Eugène par exemple, on allait. Mais c'était un bonheur. Mais c'est des souvenirs extraordinaires. Excellent. Quand on gagne ensemble, c'est 10 fois mieux que de gagner tout seul. J'ai jamais aimé les matchs, moi. Quand on fait des matchs de tennis, ça me barbait. Mmh. J'adorais faire des balles longs, machin. Mais dès que c'était le match, non. Par contre, les matchs de handball, alors ça, c'était... Pas le foot, hein? Non, mais je pense que ça aurait été la même chose. D'accord. J'aurais certainement adoré le foot. Si, mais c'était pas à l'époque du foot féminin. Maintenant, non, beaucoup plus. Mais à l'époque, non. Nous avons bientôt la Coupe du Monde. Oui, mais c'est génial. Qui va passer à Nice aussi, d'ailleurs. Formidable. Elles sont formidables. Mais l'équipe de hand français, formidable aussi. Non, mais elles sont. Et c'est génial. Ouais, génial. Avec les hommes aussi, puisque. Mais oui. Le handball. Mais, alors, moi, quand je vois le hand en première page, ça me. Mais oui. Et puis sinon, évidemment, j'ai fait beaucoup de ski. J'étais à une demi-heure des pistes. Alors, la Clusa, le Finaillon, tout ça, c'était impossible de passer à côté. Et puis c'était l'époque où les journées de plein air, on partait au ski avec l'école. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas en manque. Et puis c'est vrai que sur les pistes aujourd'hui, avec tous les jeunes qui se mettent au surf et tout, je m'en suis pris à une fois dans le dos. C'est bon, quoi. J'ai plus envie de skier. Non. J'ai plus envie. Ouais. J'ai plus envie à cause de ça. Parce que ça va. C'est toujours pareil. Moi, à mon époque, on apprenait à faire du ski. On ne se balançait pas sur les pistes comme ça. Donc, on était maître de sa vitesse. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, n'importe qui prend une planche de surf, un truc, et voilà, il faut aller vite. Mais comme dans tout, on est dans une société, dans une vie où il faut aller vite. Tout doit aller vite. Mais bien plus vite que ce dont on est capable. C'est sûr. On n'est pas fait pour aller vite dans la vie. Mais c'est tout est aujourd'hui dans une urgence que je pense que l'homme n'est pas prêt à gérer. Les technologies sont allées beaucoup trop vite et nous, on n'est pas adaptés à ça, je crois. C'est pour ça qu'il y a un tel mal-être, qu'il y a autant de stress, qu'on parle autant de burn-out. Bien sûr. On s'est allé trop vite. C'est vraiment l'impression que j'ai. Donc j'ai fait ça, puis j'ai fait de l'aviron, j'ai fait du tennis, beaucoup, tout ça, quoi. Non, mais j'adorais ça. Alors, en revenant un peu en arrière, expliquez-nous un peu l'ambiance de Pause Café à cette époque. Ah, c'était formidable, mais c'est la grande époque encore. Et puis, l'ambiance Pause Café, déjà, elle était générée beaucoup par le capitaine du bateau, qui était le metteur en scène, qui était Serge Leroy, avec qui je m'entendais très très bien. Il pouvait être très... ours comme ça, et moi que j'aimais beaucoup, voilà, on s'entendait bien, on était sur la même longueur d'onde, il n'y a jamais eu de problème d'ego ou de quoi que ce soit. Et pour moi, c'est vraiment le père de Pause Café qui a donné son âme au personnage et à la série. Même si c'est Georges Coulonges qui a écrit le scénario, c'est Serge qui l'a transformé et qui l'a rendu aussi humain et aussi attachant. Et puis après, c'est l'identification, en fait. Je suis devenue Pause Café dans l'esprit des gens parce que c'est une rencontre avec une personne et un personnage
on a fusionné, on va dire. Et j'ai rencontré mais tellement de comédiens, jeunes, moins jeunes, des professionnels, des jeunes qui débutaient. Il y avait Clovis Cornillac, il y avait Magimel, Benoît Magimel. Il y avait... comment ça s'appelait qu'est-ce qu'il y avait qui n'était pas encore connu Oui, il y avait pas mal de jeunes qui démarraient. Oui, mais... Féminin aussi, alors oui. Féminin, moins. Non, d'accord. Les hommes qui c'était plutôt... Marc Lavoine. Voilà, c'est les trois que j'ai en mémoire qui ont vraiment fait une carrière. Sinon, dans les femmes, il y avait Isabelle Canto. Oui, c'est ça. Ouais. Mais dans les vraiment qui sont venus de ça, Clovis Cornillac, Benoît Magimel et Marc Lavoine. Clovis qui est très gentil. Oh, il est super. Ah, ouais. Mais il était déjà super. Ouais. Et puis évidemment, qui était pas trop connu, mais que moi j'avais connu sur le Toubib, où il avait un petit rôle d'aumônier, c'était Bernard Lecoq. Et puis il y a évidemment Bernard Lecoq qui jouait mon mari et qui est quelqu'un que j'adore, que j'avais rencontré mais de sur très peu de jours en fait, qui jouait l'aumônier dans le Toubib avec Delon et qui on est resté amis. C'est un formidable comédien, mais celle qu'on entend c'est Sheila, c'est ma toutounette qui vient nous dire bonjour, donc un petit peu bruyant. Et Bernard c'est je l'adore. Ouais. Voilà. C'est l'intelligence, l'humour, la finesse. Vous avez retourné il n'y a pas longtemps avec lui, là ? Non. Non. Non, non, mais on aimerait bien retravailler ensemble. Ouais. C'est un désir commun. On serait tous les deux très heureux de se retrouver. On s'est vu il n'y a pas longtemps et on s'en parlait. Et c'est vrai qu'on aimerait bien. Vous allez entendre la BO de J'ai fait l'amour avec la mer, composée par Pierre Bachelet en 82, interprétée par Véronique Jeannot. Dans les étoiles, quand se meurt le soleil, j'ai cherché un sourire sur une île caresse. J'ai fait l'amour avec la mer, j'ai fait l'amour avec la mer. J'ai endormi ma peau dans le creux de ses bras. Libérer ma peine au flot de sa tendresse. J'ai fait l'amour avec la mer. J'ai fait l'amour avec la mer. Ses vagues ont dérobé un astre de lumière en écaillant le ciel et rebrodé d'argent l'écume de ses flots. J'ai appris ces mots pour cesser de parler. Alors, vous êtes une artiste complète, théâtre, cinéma, télé, livre, musique, publicité. C'est facile pour vous de passer de l'un à l'autre quand même. Il vous manque plus que le doublage. Oui, le doublage, c'est vrai que je me suis juste doublée moi. En fait, quand dans des scènes où il y a un peu trop de bruit, ben, il faut se doubler. Et j'ai beaucoup de facilité à refaire ça. Donc, je ne sais pas après comment ça se passe quand il faut doubler quelqu'un d'autre. Mais c'est une aventure que j'aimerais bien faire ça. Oui. Ça m'amuserait beaucoup. Parce que vous avez une voix pour. Il paraît. Ouais. Il paraît. Mais pour autant, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, en fait. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a la voix de doublage de Julia Roberts, Céline Monsara. C'est vrai qu'elle a une jolie voix aussi, mais vous, elle manque votre voix parce qu'elle pourrait passer dans des films romantiques, par exemple. Oui. Hein? Oui, si oui. Vous avez une voix posée, pourquoi pas? Ben, demain n'est pas mort. Hein. Exactement. Alors, il y a deux films qui m'ont marqué personnellement, à jamais. Malheureusement, on va commencer par L'Exorciste, mais ça c'est autre chose, c'est pas vous. Qui a été dur à regarder. J'ai eu peur. Mais vous, dans Tir groupé, pour le côté sombre, expliquez-nous votre rôle. En fait, l'ambiance du film, comment était Lanvin, Constantin? Car je répète, quel film? Ah, c'était un film c'est vrai que ça a très bien marché, que ça a beaucoup plu. Alors, en plus, il est sorti à un moment où il venait de se passer
ce drame-là, dans le RER. C'est ça. Une femme qui s'était fait agresser dans le RER. Ben, c'est... Comment vous avez joué cette scène? Vous êtes préparé longtemps? Vous avez, Alors, elle a été épouvantable, cette scène à tourner. Elle a été épouvantable parce que le metteur en scène, en fait, n'avait absolument pas préparé cette scène, qu'il n'avait même pas pris soin de préparer cette scène avec quelqu'un dont c'est le métier, une cascade, pour en faire vraiment une scène qui était une scène clé. Tragique. C'est la scène clé de ce film. Ouais. Donc, on l'a tourné, et puis est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que le film était fini, et puis que à la fin, on m'a dit, écoute, il faut qu'on refasse une journée qu'on la retourne parce que elle n'est pas assez forte. Bon. Et donc, je suis revenue que pour me faire castagner, en fait. Et encore une fois, elle n'avait pas été préparée. Et le metteur en scène n'avait pas d'exigeant. Donc, en fait, c'est vrai que mon côté physique m'a servi. Oui. Mais j'avais aucune... quand je fais un truc, j'y vais à fond et je me suis massacrée. Moi. Quand je me balance dans les escaliers en fer du RER, j'avais les tibias mais remplis de bleu parce que je m'étais vraiment esquintée. Mais ça, c'était pas le plus grave. J'avais une robe en laine blanche et à un moment, qu'importe la couleur, d'ailleurs c'était la matière. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, Jean-Roger Milhaud, qui est quelqu'un d'assez particulier, avec qui je m'entendais très bien et qui faisait formidablement bien ce qu'il avait à faire. Oui, le méchant. Hein. Oui, sauf que Jean-Roger est quelqu'un de très excessif et un peu animal. Et quand à moteur, il sait encore qu'on fait du cinéma, et à action, il se prend tellement dans le truc qu'il ne mesure pas forcément ses gestes. Et il m'a attrapé comme ça, j'ai entendu dans mes vertèbres et tout. Allez. Donc j'ai dit, ça c'est bon. Et puis après, aux répétitions, il m'avait attrapé comme ça et tout. Il me tape contre la paroi du train. Bien sûr. Et il y a le revolver qu'il a dans les mains qui me passe, mais à ça des dents. Oh. Et là, je dis au metteur en scène, je dis, tu sais, c'est dangereux de ce revolver parce que je pense pas que ça amène grand chose à la scène. Ouais. Tellement ce qui va se passer de toute façon est visuellement est violent. Mais par contre, moi, c'est dangereux pour moi. Et il me dit, oui, mais c'est tellement plus impressionnant avec le revolver que j'ai leur prends-en en caoutchouc. On ne verra pas la différence. Bien sûr. Et donc, on a tourné comme ça. Moteur, action, il me prend, pas, et ça, paf, je me prends le revolver dans les dents. Bingo. Et je sens mes débris de dents dans la bouche. Et je sens le goût du sang. Et on continue à tourner et là le metteur en scène voit le truc, il dit coupez, et je l'attrape et je lui dis mais du con, au moins que ça serve à quelque chose. Mais dans ces cas-là, à côté physique, après je l'ai calé sur la banquette et on a continué dans le truc, et moi j'avais la bouche en sang, et Jean-Roger s'est servi du sang pour faire la croix et tout, c'est réellement de mon sang. Il a eu cette intuition du truc où il s'est servi de mon sang, il l'a fait comme ça et tout. Donc la scène, elle est vraiment très dure. C'est probablement pour ça qu'elle est aussi criante de vérité, parce que elle était. Mais moi, celle-là, je suis pas prête de l'oublier. Hein. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un chorégraphe de combat. Ça m'a effrité de dedans et ça m'a. Et saigner la mâchoire qui a pris. Quoi. Bien sûr. D'où l'intérêt d'avoir un chorégraphe de combat. Évidemment. Sur un lieu de scène comme ça. Évidemment. Voilà. Mais c'est hallucinant même de pas l'avoir fait. C'est incompréhensible. C'est un manque de professionnalisme. J'aurais beaucoup voulu d'avoir fait ça. Un petit clin d'œil à Alain Figlars qui nous écoutera, qui lui est le grand, grand coordinateur de cascade du moment. Mais c'est pas pour rien que ces métiers existent. Hein. Bien sûr. Il faut pas hésiter parce qu'on met vraiment le comédien en danger. Bien sûr. Parce qu'il y a celui qui reçoit, mais il y a celui qui fait. Si c'est pas son métier, s'il sait pas dominer ses gestes, s'il a pas été réglé, une cascade, un truc d'excès physique, ça se règle. Bien sûr. Si c'est spontané, il faut garder la marge de sécurité.
Et il faut qu'un metteur en scène soit conscient. C'est comme quand j'ai tourné dans Manège, où on est avec des chevaux. Moi, je connais bien les chevaux parce que je les aime tellement et ça fait tellement longtemps que je les côtoie, que je les monte, que je les aime tout simplement. Même un poulain, quand on sait la force que ça a, je dis, on va pas tout d'un coup prendre un poulain et sortir et tout, sans que le maître, en l'occurrence, c'était Mario Luracci, soit là. Et quand le metteur en scène, à l'époque, m'a dit, mais non, on l'appelle pas. Pourquoi on l'appelle pas? Parce qu'à chaque fois qu'on l'appelait, c'était, il fallait faire un petit chèque. Mais là, je dis, mais ne t'amuse pas à ça. Ne t'amuse pas à ça. Surtout les chevaux, en plus, hein. C'est des chevaux. On n'est pas avec des canards de basse-cour, quoi. Ah, c'est des chevaux. Même le poulain, ça a une force, mais bien plus que toi. Si jamais tu sais pas le prendre ou qu'il y a un truc qui lui pète dans la tête, c'est hyper dangereux. Et il m'a écouté, et heureusement, parce que la première fois, il m'a pas écouté et ça a failli nous coûter très cher. Faut pas jouer avec ça. Faut savoir. C'est formidable de tourner avec des chevaux. C'est formidable de faire des cascades. Faut juste faire ce qu'il faut en amont. Exactement. C'est tout. Et ça se prépare. Et voilà, il y a des gens comme Mario Luacci pour les chevaux, comme Rémi Julien pour les voitures, comme Jean-Claude Agnès pour les combats, Carcaviès pour les combats. Ouais, donc, à cette époque. Maintenant, à cette époque. Maintenant, nous avons Alain Figlarz. Et ben voilà. Mais c'est, et puis, quand on a la chance d'avoir de tels professionnels, il faut savoir et leur rendre hommage. C'est tout simplement en leur disant, on a besoin de vous. Bien sûr. Alors. Chacun son job, hein. Gérard Lanvin, Michel Constantin. Oui, bah. Deux amours. Deux amours de personnes gentilles sur le tournage avec vous. Ah oui. Ça s'est bien passé. Oui, très très bien. Très très bien. Mais j'avais pas de scène, moi, avec Constantin. D'accord. C'était plus Gérard qui en avait. Voilà. Avec Gérard, ça s'est formidablement bien passé. D'accord. On était plus que complices. Mais non, c'est un très bon souvenir. S'il n'y avait pas cette scène qui a été gâchée par le metteur en scène à l'époque, parce que c'est vraiment entièrement de sa faute, ça. Mais sinon, c'est un très très bon souvenir. En plus, quand un film est couronné de succès, ça reste d'autant plus un très bon souvenir. En attendant, à l'écran, c'est bien passé. Hein. Oui. La preuve, super. J'en suis un qui a été marqué. Mais heureusement, au moins, cette scène, en plus, je ne me suis pas fait castagner pour rien, parce qu'elle est vraiment criante et elle est réussie pour le coup. Mais ce n'est pas le metteur en scène qui est pour grand-chose. C'est comme, et il y avait Roland Blanche et tout, et puis Pinon à l'époque, et on s'est mis en scène tout seul, quoi. Il n'avait aucune idée par rapport à la scène, mais aucune. Donc, heureusement, il avait affaire à des formidables comédiens, quoi. Parce que Pinon et Blanche, c'était Milo, et moi, on s'est vraiment entendu et on a fait notre truc, et la scène est vraiment... Super. Elle est forte. Ouais, c'est un film qui, moi, personnellement, m'a marqué. Vous avez joué avec le grand Delon dans Toubib. Ouais. Comment ça s'est passé avec Monsieur Delon? Alors, ça s'est passé formidablement bien. Tout le monde a cru qu'on était amants, d'ailleurs, parce qu'il y en a eu même des articles comme ça et tout. Et je l'ai déjà dit dans toutes les émissions, non. Ça n'a pas été ça du tout. Alain a été très... paternel avec moi. Il était extrêmement protecteur. J'étais sa chose. J'étais un peu sa découverte. Il avait dit, pour moi, c'est la star qui a été remise. Quel compliment. Quel honneur. Parce que moi, j'avais une passion pour Romy Schneider. Moi aussi. Qu'est-ce qu'elle était, magique, magique, magique. Ouais. Et Alain a été, donc, il était très, oui, je vois pas d'autres mots, il était plus que protecteur, c'est-à-dire par exemple pour la scène de fin où je me prends une bombe dans la figure, c'est lui qui remplissait de sang le truc, il avait même pris la place du maquilleur, c'était... Mais il est comédien, mais réalisateur, je crois, sur le film. Et producteur. Non, pas réalisateur, c'était Pierre producteur. Granier de Fer. D'accord. C'était Pierre Granier de Fer. Ah, pour le public. Hein. Alain, à mon avis, ce film s'est retrouvé bancal. Ouais. Parce que ça, au départ, c'était tiré d'un roman de Jean Frossier qui s'appelait Harmonie ou les horreurs de la guerre. D'accord. Et Alain a un côté très, pas enfantin, mais les choses de guerre, d'action, l'ont toujours fasciné. D'accord. Et quand il est rentré dans l'approche de tous ces trucs de guerre, le char, machin, l'hélicoptère qui dansait les oeufs, il a été un peu comme un môme. Et tout d'un coup, c'est devenu avant tout un film de guerre. C'est-à-dire que c'est plus une histoire d'amour sur fond de guerre, c'est devenu un film ni de guerre ni d'amour. D'accord. Et à mon sens, ça a été, le film aurait pu être plus fort.
S'il avait été axé plus sur l'histoire d'amour. Et Pierre Granier de Fer, c'était son truc. Il a été un peu dépassé par la personnalité de Delon, qui était producteur. Et ça, c'est le problème. Quand c'est un acteur et producteur et acteur et de la trempe d'Alain Delon, ça crée quelque chose de plus. Mais Delon est un acteur magnifique, mais quelquefois, il vaut mieux qu'il ne soit pas aux commandes de partout. Et puis, je me souviens que Pierre était venu vers moi et m'avait dit ne t'en fais pas. Je sais, je vois bien dans ton regard quelquefois que tu es inquiète, voilà. Mais je veille, j'ai l'œil sur toi. Mais je me rends bien compte que Alain t'a pris sous sa coupe et que c'est très difficile d'intervenir. Mais je suis là. Donc si tu as besoin de me parler, si tu as une inquiétude, je suis là. Mais je respecte ça parce que je sens que c'est tellement fort et que je reste un peu en deçà. Donc ça lui a un peu échappé à Pierre, qui était quelqu'un d'absolument adorable et magnifique. Et c'est un privilège quand on a la chance de travailler avec des gens comme ça. C'était un grand monsieur, Pierre Gagné de Fer, de classe, de respect, de talent. C'est ce même monsieur qui a fait les Granges brûlées, c'est entre autres. Par exemple. Grand talent. Mmh. Grand talent, grand monsieur. J'ai vraiment eu de la chance. Mais là, je parle des travers de Delon, qui est quelqu'un que je respecte et que j'aime profondément pour plein de raisons. Mais c'est quelqu'un des extrêmes. Et oui, parce qu'il y a tellement de légendes sur lui, pas facile sur le tournage, directif, mais c'est normal. Oui. Il a été producteur, il a été réalisateur, donc c'est un peu logique. Alors, c'est sûr que c'est pas facile à gérer. Ouais. Non, c'est pas facile à gérer. Voilà. Mais bon, quand on prend Delon sur le tournage, on sait à qui on a affaire, quoi. Ouais, on le sait que c'est... C'est pas forcément facile. En même temps, c'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un de très fidèle, Alain, et qui a une parole... c'est un grand bonhomme. Ouais. C'est un grand bonhomme. Ouais. Et qui a une générosité en même temps. Non, c'est quelqu'un de formidable, de pas facile, parce que il a un côté très animal aussi dans ses réactions. Il a ce côté animal qui fait aussi ce qu'il est. Quand cette beauté animale qu'il avait, ben maintenant c'est un monsieur âgé, mais quel homme plus beau que l'a été Alain Delon. Moi, je me dis que ça doit être tellement difficile quand on a été ce qu'il a été, aussi sublime et aussi célèbre, à une époque où les stars étaient des idoles. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus. Des stars, des mythes, en fait. Des mythes. Comme Belmondo, Delon. Le seul qui est peut-être, c'est Depardieu. Ouais. Mais c'est tout. L'époque a tellement changé que c'est plus possible cette comment je peux dire une telle occupation de l'espace. Parce que le côté iconique. Oui. Hein, c'est fini. C'est vrai que parce que notre société n'est plus dans ce mood là. Aujourd'hui, c'est le rapide, le jetable, ça consomme, ça consomme, ça consomme. Oui, d'où les téléréalités, c'est ce qui se passe en ce moment. Et d'ailleurs, des gens le disent tout haut, ils haïssent ce système parce qu'on fait de la consommation, c'est ça. C'est ce que vous avez dit. Tout est fait pour nous. Alors, en même temps, on nous parle d'écologie, en même temps, c'est tous les paquets individuels. Je veux dire, c'est un détail. Mais on parle de quoi, là? Ah oui. Si c'est ça, il faut à ce moment-là que tous les magasins fassent du vrac. Ah, voilà. Mais qu'on arrête de nous mettre des emballages, des emballages, des emballages, des emballages, de développer le plastique, le plastique, le plastique. Donc, qu'on rétablisse les bouteilles en verre consignées, déjà, les gens seront en bien meilleure santé que tout ce qu'on leur fait manger, respirer, consommer, où on ne sait plus ce qu'on mange aujourd'hui. Au lieu de dire bon appétit, on vous dit bonne chance bientôt. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, c'est sûr. On ne sait plus ce qu'il y a dans quoi. Alors, j'ai regardé sur l'annuaire du cinéma. Vous avez joué 12 pièces de théâtre. Tant que ça? Oui. La dernière fait un carton sur Paris. Il s'appelle Inavouable. Oui. On est d'accord? Mais on n'a pas joué longtemps, celle-là. Mais on va oui, mais vous venez de le... Vous l'avez dit. Donc, mise en scène de Eric Assous par Jean-Luc Moreau. Non, non, non. La mise en scène... Jean-Luc Moreau. Jean-Luc Moreau. Oui. Et elle est produite.
Elle est écrite par Eric Assous. D'accord. C'est l'auteur et Eric Assous, le metteur en scène, et Jean-Luc Moreau, et on l'a joué avec Michel Lem. Comment ça se passe, justement? Comment ça se passe? Bien? La pièce. Ah, formidable. Ouais. Mais déjà, au départ, il y avait tout. Quand Jean-Luc m'a appelé, Jean-Luc Moreau m'a appelé pour me proposer la pièce, il m'a dit déjà... Pièce d'Eric Assous. Ça faisait des années que j'avais envie de jouer Eric Assous parce que D'accord. j'adore son écriture. C'est, voilà, c'est des auteurs qui, il y a un phrasé, il y a un truc, tout de suite, je rentre dedans, quoi. Et, alors Jean-Luc Moreau, avec qui j'avais joué et sous aussi sa guidance, on va dire, comme metteur en scène dans, À vie de tempête, avec Roland Giraud. Et donc ça, c'était déjà du bonheur, et quand il m'a dit ça avec Michel Leb, donc là, c'était Michel que je connaissais depuis longtemps, très longtemps, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et ça a été vraiment une très jolie rencontre, une évidence de jeu. Voilà, on s'est, et je pense qu'il n'aurait pas fallu qu'on joue trop longtemps, parce que sinon, les fous rires auraient été difficiles à contenir au bout de... Quand on est encore sur... l'inquiétude du texte, de la mise en place et tout, on est plus vigilant. Mais quand on commence à être confortable et tout, là, c'est là que ça devient dangereux pour les fous rires. Et comme Michel, son truc, c'est un petit peu de tout d'un coup de vous envoyer l'œil qui frise et on se dit comment je vais arriver à lui renvoyer autre chose que le fou rire, parce que ça l'amuse beaucoup de faire ça. Mais c'est un clown. Et lui, son kiff, c'est de vous faire, de vous faire rire. Ouais. Il fait le clown tout le temps. Il est très sympathique. Il est sympathique, il est généreux sur scène, il est drôle, c'est une personnalité et c'est un véritable artiste. Pareil, lui, il est vraiment polyvalent. Hein. C'est un formidable musicien, chanteur, acteur, il fait tout. Il est doué, quoi. Ça fait partie de ces gens qui sont doués. En France, c'est assez rare d'être bon dans plusieurs disciplines. Au Canada, aux États-Unis, c'est fréquent. Mais nous, en France, on est quand même des gros feignants par rapport à ça, faut dire. Alors, vous allez entendre la chanson Désir, Désir, composée par Laurent Voulzy en 88, interprétée par Véronique Jeannot. Et Laurent Voulzy. Alors, comment la chanson est arrivée à vous, justement? Alors, ça a été... vraiment, je ne pensais pas une seule seconde chanter. Et puis, j'ai tourné dans Pause Café, et l'éditeur m'a demandé de chanter le générique. J'ai dit, pourquoi pas? J'ai toujours été ouverte un petit peu, moi, à toute expérience nouvelle. Et puis, il se trouve que ça s'est très bien vendu, le disque. Et qu'après, il m'a dit, on va en faire un autre. Je lui ai dit, non, attends. Là, c'était le générique, c'était porteur, c'était le feuilleton. Mais je ne suis pas chanteuse. Non, tu n'es pas chanteuse, mais ça ne veut pas dire grand-chose en même temps, parce que tu as un grain. Il me dit, tu as un grain, tu as un vrai grain de voix. Donc, je lui ai dit, bon, un grain de voix, alors allons-y. Et ça a été, j'ai fait L'amour avec la mer.
Et puis, à la suite de ça, je fais une émission de télé où il y avait Marc Lavoine, d'ailleurs, et Laurent Voulzy. Et puis, je suis dans ma loge et il y a un petit billet qui se passe sous ma porte. Sous la porte. Et c'était Véronique Jeannot, je vous adore, signé Laurent Voulzy. Ah. Et voilà. Et puis, le temps passe et je retrouve Laurent dans c'était un concert, un gala pour les orphelins de la police. Ah. À l'époque. Et puis on est à côté, donc on discute. Et je lui dis, mais moi j'aimerais tellement que tu me fasses une chanson. Et il me dit, mais tu sais que moi j'écris surtout pour moi, pour Souchon. Il avait écrit à l'époque aussi pour celle qui avait été sa compagne, qui s'appelait France-Lise Loyal, je crois. Mmh. Et puis voilà. Et puis on s'est pas. Et puis là-dessus, je partais à la réunion. Et il se débrouille pour me joindre à l'hôtel où j'étais. Et il me dit, il faut que je te voie, j'ai écrit. Oh. Connaissant Laurent, qui écrit, mais à la vitesse d'un escargot, il travaille très très lentement. Très lentement. Et là, il s'était passé genre 15 jours. D'accord. C'est-à-dire rien. Et je lui dis, bah écoute, là, je suis en vacances et je rentre pas avant 15 jours. Je crois que je faisais un rallye là-bas, en fait. D'accord. Et il me dit, ben, on se voit dès que tu rentres. Et il m'amène la cassette de Désir, Désir. Et il me dit, tu sais ce qui serait super, c'est qu'on la chante en duo. Je dis, un duo tous les deux? Je dis, ce serait top. Ça pourrait être top. J'en parle à mon éditeur. Quand je lui dis, j'ai vraiment envie de faire ça, de faire un duo avec Laurent Voulzy, il m'a regardé, je me souviens encore, parce qu'a priori, il n'y avait vraiment pas de. Il y avait deux mondes, quoi. Et puis après, il m'a dit, mais allons-y. Ouais, c'est parti. Et c'est comme ça qu'on a fait Désir, Désir, qui a été le tube qu'on connaît, qui aujourd'hui continue à passer sur les ondes. Et ça a été, mais que du bonheur, cette chanson. Parce qu'on faisait les promos. Alors, c'est vrai, il faut savoir que la promo, c'est quand même le moment le moins agréable. Parce que c'est vendre la chanson, c'est un peu répétitif, ouais. C'est... Mais alors, à deux... Mais c'était, mais fou rire sur fou rire avec Laurent. Je me souviens, on avait fait Cocorico Cowboy à l'époque avec Colaro. On avait fait un truc appelé Télégrenadine ou un nom comme ça en Belgique. Oui. Mais les fou rires qu'on s'est pris, mais des fou rires, mais mémorables. C'est vraiment un souvenir merveilleux, Désir, Désir. Merveilleux. D'accord. Et puis on s'entendait comme deux mots, quoi. Même avec Laurent, on était allé enregistrer à Stockholm pour l'enregistrer en anglais. La chanson avait démarré très très fort. En Suède. Et du coup, ils ont voulu qu'on l'enregistre en anglais. Ce qui était une erreur. Parce que 19 Balloon en allemand a fait un carton en France dans la langue allemande. Ouais. Et en fait, il aurait fallu laisser Désir, Désir en français. Ouais. Elle était magique telle qu'elle était. C'est ça. Parce qu'elle n'a pas fait plus que ça en suédois. Elle a rendu Laurent extrêmement malheureux parce que le gars qui était... l'ingénieur du son et était celui qui avait pourtant monté à l'époque ABBA. Donc c'était l'ingénieur du son d'ABBA. Bien sûr. Donc j'ai dit que c'était quand même une pointure. Bien sûr. Mais pour autant, c'était pas Laurent. Et Laurent, quand il a vu qu'il commence à lui enlever son tambourin, son truc, parce que Laurent, c'est de la dentelle quand il fait sa musique, c'est de la dentelle. Mais s'il n'entend pas un son tout d'un coup, et tout, même elle commence à passer en radio, s'il entend un truc, il va tout remettre sur le tapis pour le refaire. C'est un fou furieux. Dans le détail. Et c'est ce qui fait que c'est Laurent Voulzy, c'est tout. C'est tout, oui. C'est ça. Et là, il lui a enlevé son tambourin, il a enlevé une note ici et tout. Laurent, il devenait fou. Je le voyais, je lui ai dit, viens, on s'en va, de toute façon, c'est plus à toi maintenant, c'est ça. On vient, on va se promener. Et on est allé dans Stockholm et on a rigolé comme deux mômes. Et on est revenu, bah, c'était fait. Et il n'y avait pas grand-chose à dire, quoi. Ça lui avait échappé, ça lui avait échappé. Mais ça n'a absolument... Je pense qu'au contraire, ça a stoppé l'envolée de Désir Désir dans le monde anglo-saxon. D'accord. Parce que la chanson était magique. Alors, vous êtes marraine de plusieurs, on va dire, choses. Entre parenthèses, vous êtes la marraine de Volvic UNICEF au Niger, j'ai vu. Oui. Vous êtes... Ça a été ponctuel. C'était avec Volvic et UNICEF. On était allé construire, en fait, faire la publicité pour Volvic et pour construire des puits. C'est ça, je me rappelle. C'était une grande... Vous aviez même une émission avec Michel Drucker, vous en aviez parlé.
Oui, c'est bien possible. Je me souviens plus trop à l'époque, mais j'avais rencontré des gens très, très, très intéressants là-bas. La seule expérience négative que j'ai eue, c'est tous les vaccins qu'il a fallu faire pour y aller. J'ai mis un an à m'en remettre D'accord. de tous ces vaccins. Vous êtes aussi la marraine de l'association Les Enfants du Tibet à Villeneuve-Loubet. C'est d'ailleurs là où je vous ai rencontré. Ça consiste en quoi exactement? Mais justement, nous le savons, enfin, moi je le sais, vous êtes bouddhiste depuis combien d'années? 25 ans. Donc, Je c'est suis pas là. bouddhiste. Ben. Quand on me dit vous êtes bouddhiste, je dis Oui. non, je suis d'inspiration bouddhiste. D'accord. On va dire que ce sont les enseignements et la philosophie bouddhiste qui mènent ma vie, parce que je pense que c'est avant tout une philosophie de vie. Donc je dis moi je suis chrétienne de par mon héritage parental. J'ai pas besoin d'appartenir à une religion parce que pour moi la religion c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est à mon avis indispensable sur la vie d'un être humain, c'est non pas la religion mais la spiritualité. La spiritualité c'est la genèse de toute religion. Malheureusement, elle a été largement largement manipulée par les hommes, par l'homme, pour des problèmes de pouvoir, d'ascendant sur le peuple, de manipulation, et ça n'a plus rien à voir. La religion devrait être la courroie de transmission de la spiritualité, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Donc la religion ne m'intéresse pas. Alors je dis je suis chrétienne par héritage parental, et puis bouddhiste et animiste, parce que pour moi la spiritualité et Dieu est dans tout. Et Dieu, quel que soit son nom, c'est pas ça qui c'est le message divin qui m'intéresse. C'est tout. C'est comme les francs-maçons qui déposent essentiel et formidable à l'intérieur du temple, et puis qui se comportent pas comme chargés de tout ce qu'ils ont appris dans le temple une fois sortis. Voilà. Pour moi, c'est un non-sens. J'essaye. Il y a un nom qui, pour moi, encore une fois, est très important. C'est la cohérence. Donc, c'est essentiel pour moi dans une vie. Il faut être cohérent entre ses mots, ses pensées et ses actes. Et je trouve qu'on est encore une fois, quand on parle de tout ça, où il y a une incohérence sur tellement de choses, tellement de choses. On en parlait tout à l'heure, l'écologie et la façon et la société de consommation où on nous encourage sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt à consommer. C'est un non-sens. Faut pas que l'homme, il faut pas manger ci, il faut pas manger ça. Déjà à l'école, il faudrait apprendre à manger différemment. Faut qu'on comprenne une fois pour toutes qu'il faut manger différemment et manger moins. On le voit bien, c'est pas pour rien hein, que dans les pays sous-développés, il n'y a pas beaucoup d'obèses. Donc, faut arrêter de nous dire que c'est ce qu'il y a dans l'air. C'est quand même bien ce qu'on nous donne à manger. C'est la face, on sait ni comprendre ce qu'est la respiration, ni comprendre ce qu'est la nutrition. On confond tout. La viande aujourd'hui, il vaudrait mieux en manger même une fois par semaine, mais de la bonne, de consommer des légumes qui soient des légumes et pas des trucs gorgés d'eau qui n'ont plus aucune vitamine. C'est la surconsommation est une indigence en fait de la nutrition. Vous avez fait un joli documentaire que j'ai vu à Villeneuve-Loubet. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Vous êtes allé Ah, on n'a rien à en voir avec deux. ce qu'on est en train Non, de mais dire c'est vrai que on y vient. On y vient parce que c'est la conscience. En fait, le bouddhisme, ça dit en gros, c'est d'abord vivre l'instant présent, le moment présent, mais qui en a mieux parlé que Eckhart Tolle, hein, dans le moment présent. Mais c'est ça, c'est vivre en conscience de ses pensées et de ses actes. À partir du moment où on vit en conscience de ses pensées et de ses actes. Alors, ce documentaire, il fallait qu'il passe dans ma vie. C'est-à-dire que je l'ai fait sans réfléchir. C'était une évidence pour moi. Et à un moment, je veux dire, le meilleur choix, en fait, c'est quand il n'y en a pas. C'est-à-dire quand l'évidence est là, on se pose plus de questions. J'ai eu la chance, à un moment difficile de ma vie, c'est-à-dire quand j'ai traversé la maladie, de rencontrer les enseignements bouddhistes et la spiritualité. Et de comprendre combien cette voie était enrichissante et indispensable sur le chemin de tout être humain. Et ces enseignements, je me suis dit, mais c'est un tel cadeau. C'est un tel cadeau qu'on reçoit, que je veux rendre. Et pour moi, la vie, c'est
donner, recevoir. Ça ne peut pas aller dans un sens, pouvoir recevoir sans donner. Bien sûr. Donc, il fallait que ce cycle reparte. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? C'était évident, c'était lumineux, c'était utiliser ma notoriété, mon énergie à parler de ce peuple et de ses enseignements. Alors, il fallait que je trouve le biais pour le faire. Le biais, c'était les femmes. Parce qu'on parlait du bouddhisme avec les moines, les maîtres, mais on ne parlait pas de la femme dans le bouddhisme. Or, la femme dans le bouddhisme, extrêmement importante, voire capitale. Et je l'ai vu dans le documentaire, d'ailleurs. Oui, ben, c'est par de ça, puisque c'est Dakini, le féminin de la sagesse. C'est ça. Donc, c'est ça. Alors, je suis partie, c'est vrai, un peu fleur au fusil. Au départ, j'avais appelé ça « À la lumière des Dakini ». D'accord. Les Dakini, c'est le principe féminin, ce sont les épouses des grands maîtres du bouddhisme tibétain, les Kandro, en fait, ça s'appelle, au Tibet, et c'est aussi les circonstances favorables. Donc je suis partie à la lumière de tout ça. Et puis, il y a eu un deuxième voyage, c'est-à-dire tout ça, c'est, à chaque fois, c'est des femmes qui ont guidé mes pas. Et voilà, et c'est des portraits de femmes... aussi bien occidentale que tibétaine, absolument magique, merveilleux. C'est juste écouter ces femmes, regarder ces femmes, je suis restée, j'ai eu le bonheur en plus de rester proche d'elles par la suite. Ça n'a pas été juste un coup comme ça. J'ai revu Amahadé chaque fois que je suis allée à la Dharamsala. Je suis restée amie avec Dominique Marshall, et avec Jetsun Pema, qui est présidente d'honneur de mon association, qui est Graines d'Avenir. Parce qu'après, en revenant de mon documentaire, en Inde, Sikkim et Népal, je ne suis pas allée au Tibet. Mais tous les paysages du Tibet, c'est Priscilla Telmont. D'accord. Qui nous les a fournis, qui elle a fait la marche d'Alexandra Davidné. Ouais. Voilà, donc, et qui est une amie, qui est quelqu'un qui est très engagé dans la cause bouddhiste aussi. Et c'est elle qui m'a fourni ces images-là. Moi, je suis restée en Inde, au Sikkim et au Népal. J'ai commencé par le Sikkim, ensuite Inde et Népal. Et ça a été, pareil, j'ai découvert vraiment tout un monde et un peuple extraordinaire de courage, de pignâtreté, de force. Mais magnifique, magnifique. Alors évidemment, c'est sûr que le peuple tibétain aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a même 30 ans. Parce que c'est des jeunes. Et les jeunes sont ou nés au Népal, en Inde, ou se sont exilés. Donc ils n'ont pas hérité des enseignements au niveau où ils étaient portés au Tibet. Alors c'est maintenant, forcément la mentalité n'est plus la même. Mais malgré tout, il y a quand même une diaspora tibétaine installée en exil qui maintient un peu les enseignements. Alors, c'est vrai que le Graine d'Avenir a été créé pour les aider à être éduqués dans leur langue maternelle, d'accord, dans des écoles justement comme les Tibetan Children Village, qui sont des villages d'enfants tibétains, pour que les enfants soient éduqués en anglais, en hindi et en tibétain. Donc, et ils apprennent surtout à être fiers de leurs racines, ce qui n'est pas le cas dans leur pays. Donc voilà, ça a été certainement une des plus jolies choses que j'ai faites de ma vie et qui a aussi été l'occasion de parrainer 3 enfants, dont une petite fille que je suis allée voir en Inde pendant 7 années pour lui faire des vacances, pour créer un lien, et qui est devenue ma fille que j'ai adoptée il y a 5 ans. D'accord. Et voilà. Donc c'est incroyable la vie, puisqu'à 22 ans, on m'a appris que je ne serais jamais maman, et que finalement, c'est à 57 ans que je deviens maman. Alors on me dit, mais qu'est-ce que ça te fait te rendre compte, t'es maman? Et en fait, je me dis, mais voilà, les journaux ont titré Véronique Jeannot, enfin maman. Mais franchement, je m'en fiche d'être maman. C'est pas ça le truc. Le bonheur, c'est cette rencontre avec cette petite fille, qui est maintenant une jeune fille, après bientôt une jeune femme, et que j'aide à grandir et à évoluer. Mais comment dire, le côté maman, je me sens plus comme, je dirais, sa meilleure amie, son inspiratrice. Mais nos codes sont différents. On ne peut pas dire, oui, mais moi, ma mère à moi, oui, mais moi, mes copines. Non, notre histoire, elle est juste incroyable. Incroyable.
il y avait une chance sur combien qu'on se rencontre et qu'elle devienne ma fille. Je veux dire, c'est juste un truc de fou. Surtout quand on sait que c'est difficile d'adopter. Aujourd'hui, elle est vraiment ma fille. Elle s'appelle Mima Jeannot. Mais elle est surtout libre. Je l'ai fait avant tout pour elle. Pas pour devenir maman. Parce que passer autant jusqu'à 40 ans, ça a pu être un souci pour moi. Mais après, non, réellement non. Ça l'était plus. J'avais tellement dépassé tout ça, avec l'association, avec tout ce que je faisais dans ma vie. Avec... Non, c'était vraiment plus... Donc ça a été réellement une autre démarche. Et c'était plus, ok, on est à deux sur la route. C'était ça. Ça aurait été... J'aurais pas pu adopter ni un autre enfant qu'elle, parce que je voulais pas adopter à tout prix. C'est pas du tout mon propos. Et ça aurait pas pu être un enfant. Je ne veux pas du tout être dans les couches, moi. Je ne voulais mais pas du tout. Ce ne serait pas pu être possible. Bon, maintenant, si vous me dites, si je devais trouver un bébé sur mon paillasson, évidemment, c'est autre chose. Ouais, mais c'est sur le plan humain que ça s'est passé. Moi, ma fille, aujourd'hui, le fait d'être ma fille, elle est libre. C'est ça, surtout. Elle est libre. Véronique Jeannot, merci. Vous allez entendre cette magnifique chanson Aviateur, composée par Laurent Voulzy et Alain Souchon, en 88, interprétée par Véronique Jeannot. Moi, je n'ai pas d'amour pour les
La semaine prochaine, nous recevons un très grand photographe de presse qui a travaillé dans le monde entier. Il a parcouru la planète entière pour faire des reportages photos. Il est devenu proche de Julio Iglesias, de notre commissaire Moulin, alias Ivrenier. Il a connu et photographié à maintes reprises Marlon Brando sur son atoll. Il a travaillé sur les révoltés du Bounty avec Mel Gibson, Anthony Hopkins, Daniel Day-Lewis et Liam Neeson. Il a connu tous les artistes qui sont passés à Tahiti. Qui n'a-t-il pas connu dans le monde artistique ? Il nous parlera de son prochain projet. Son livre est en préparation sur ses pérégrinations planétaires. On le reçoit la semaine prochaine avec joie. À suivre. N'oubliez pas d'aller écouter les podcasts des émissions sur le site RCN. Vous entrez dans podcast et vous cherchez votre émission en bas à droite. Vous entrez et vous choisissez l'émission à écouter. On vous embrasse tous et encore merci à vous publics qui écoutez nos émissions qui sont là pour faire briller les artistes avant tout. Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art, chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN. Retrouvez ce moment en libre accès sur rcnradio.info, page podcast. Écran large avec Thierry Genovese.